Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui arrivent. Aujourd'hui, il y a une vidéo un petit peu spéciale, vous verrez pas mes yeux. Je vais garder mes lunettes, pas parce que j'ai pris la grosse tête. C'est juste parce que le véhicule dans lequel je suis, c'est le véhicule de mon papa que j'ai malheureusement perdu il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc c'était sa voiture. J'ai longuement réfléchi avant de vous présenter cette auto. Déjà parce que je suis en plein deuil et donc du coup c'est vraiment pas facile, mais aussi parce que voilà, par question de pudeur, ceux qui nous suivent depuis tout ce temps ils savent que je suis quelqu'un d'assez pudique. Je suis pas du genre influenceur à montrer ma maison, mon truc, mon machin, même si je l'ai fait une fois ou deux sur une ou deux vidéos, mais de manière générale je suis assez pudique. Je présente les voitures, c'est juste une passion et je voulais partager, ça s'arrête là. Mais là j'ai décidé, j'ai longuement réfléchi, j'ai décidé de vous présenter cette voiture et de vous dire la vérité. Voilà, j'ai perdu mon papa. Il était relativement jeune, il avait 66 ans, c'est jeune pour mourir, même s'il n'y a pas d'âge pour mourir, mais c'est jeune pour mourir. Voilà, la maladie bien connue, hein, qu'on entend partout. En 4 mois, merci, au revoir. On n'était pas prêt, même si on n'est jamais prêt, mais là on était encore moins prêt. Il était en pleine forme, il venait de prendre sa retraite, il a bossé toute sa vie comme un chien, et voilà, il s'est dit, bon, ben, il a toujours eu des A8. Donc celle-là, c'est la A8, 4 litres de TDI, quattro, V8, donc 350 chevaux, 800 Nm de couple, les amis. Il avait la S8 qu'on a mis sur la chaîne, 2-3 essais avec lui vite fait. La S8 Plus de 620 chevaux. Et là, il s'est dit, bon, je vais me prendre un petit V8 diesel, 350 chevaux, ça suffit pour balader. Il n'a même pas eu le temps d'en profiter, voilà. Il a acheté celle-là il y a 6 mois maintenant, mais en 4 mois, il est parti, donc voilà, bref. Donc les amis, je vais vous présenter cette voiture, mais déjà je voulais vous dire merci pour ceux qui nous suivent avec Lily, parce que Lily aussi est très active sur la chaîne depuis le début, même si elle était parfois dans l'ombre. On a bientôt 5 millions de vues sur la chaîne, un peu moins de 16 000 followers, donc c'est pas beaucoup par rapport aux vues qu'on fait. Donc si vous voulez vous abonner, c'est cool, fais juste les vidéos pour le fun et pour la passion. Voilà, ça nous fait plaisir d'avoir des gens qui nous suivent et je vous en remercie. Donc voilà, on va passer à la présentation de l'auto. Donc cette auto, c'est une Audi A8 V8 4 litres 2, 350 chevaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça développe 800 Nm de couple. Je sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est, 800 Nm de couple. C'est un couple de camions, 45 tonnes, qui tire 25 tonnes de marchandises. On a ça sur une Audi, sur une berline de luxe. Donc elle est en finition Avus exclusive. Donc il y a à peu près tout ce qu'on peut trouver sur le catalogue Audi en 2011, parce que c'est une 2011. C'est pas les derniers modèles. Voilà. Là, t'es tenté, hein. T'es tenté. Quand t'es au volant de ce genre de bébé, en TDI V8 avec 800 newtons de couple, t'es tenté de lui mettre un peu dedans. Il y a un bruit qui est vraiment sympa. Je sais pas si vous entendez sur la vidéo, peut-être le son il est pas top, mais c'est incroyable. Ça part comme une fusée, t'es plaqué dans le siège et tu consommes même pas 10 litres au 100. Donc mon papa il avait équipé donc des jantes en 21 black et bord poli. Excusez-moi si je suis un peu spécial dans cette vidéo, mais c'est pas évident. Je vais essayer de rester à ma place et de pas craquer, mais c'est pas facile. Parce qu'il faut se dire qu'il y a 2 mois, mon père il était à côté de moi et on essayait cette voiture, il est venu me voir fièrement et. Enfin, il y a 3 mois maintenant. Il est venu me voir fièrement en me disant, t'as vu, j'ai acheté ça, regarde. Franchement, c'est bon, c'est un bon compromis pour rouler, tout ça. Il était avec moi et on l'a essayé sur cette route ensemble. Donc, c'est pas évident pour moi de reprendre cette voiture. Mais voilà, j'ai quand même voulu être transparent avec vous et vous la présenter. Donc, ça me fait plaisir, malgré tout. Malgré la circonstance, j'aurais préféré la présenter avec lui, mais j'ai pas le choix. Donc là, regarde, je suis à 30, j'appuie. C'est fantastique. C'est un monstre de puissance. Elle est incroyable. Donc je vous disais, il a équipé des jantes en 21. Il a mis des petites lames sur le PC avant. Il a mis son petit aileron derrière. Il aimait bien un peu tout ce qui était sport et tout. Donc il a mis des petites touches sport comme ça. On a un intérieur exclusive, tout en cuir, couleur crème. Avec une touche de piano black sur le tableau de bord. La boiserie à l'ancienne, comme on faisait hein, il y a une dizaine d'années. On a une planche de bord tout en cuir, pleine fleur. Parce qu'à l'époque, on faisait encore du cuir pleine fleur. Hein. Aujourd'hui, ça s'est arrêté.
les constructeurs, ils veulent préserver un petit peu le bien-être animal et tout ce qui est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas trop ce souci encore. On a un toit ouvrant, on a une ligne Acra. On a une ligne Acra sur ce V8 de TDI. Alors ça fait pas un gros gros changement sur le bruit, mais bon, je pense que ça libère un petit peu. Tu as le son Bose, tu as bien sûr les sièges chauffants. Sur la lunette arrière et sur les vitres arrière, tu as un rideau électrique. Voilà, c'est un salon roulant en fait. Cette caisse, c'est un salon roulant. Ah, une petite Ducati. Petite Ducati 1290 qui me colle derrière. On va laisser passer. Si j'ai envie, je vais lui coller au cul sans problème. Mais bon, on va se calmer. On est dimanche, il y a des vélos. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Elle a une poussée. On dirait que ça va jamais s'arrêter. Oh, oh, oh. Je suis à 3000 tours. J'ai un shoot au cul. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. C'est un véhicule que tu vas trouver sur le marché aux alentours de 25 pour les moins chers, les plus basiques. Elle est dingue. Et 35 000 euros pour les mieux équipés avec faible kilométrage, parce que celle-là, elle a que 100 000 bornes. Autant te dire que 100 000 bornes pour un V8 TDI, elle est à peine rodée la voiture. Si je me trompe pas, c'est le V8, c'est le moteur diesel le plus puissant jamais monté sur une voiture de série. 350 chevaux pour un moteur diesel, c'est énorme. 800 Nm de couple, c'est des mesures jamais atteintes sur des véhicules de série, toutes marques confondues. Alors, regarde ça. Alors avec les jantes en 21, elle est collée à la route. Se calmer, ça y en arrive en agglomération. Je sais pas quoi vous dire, je suis complètement bluffé, amoureux de cette caisse. Je réfléchis, je sais pas, j'ai pas de mots en fait, je sais pas quoi vous dire. J'ai envie de la garder. J'ai déjà ma vie, j'ai déjà mes voitures. C'est pas évident de garder une voiture de ce budget-là. En même temps, j'ai trop envie de la garder parce que voilà, c'est une petite part de lui. Les amis, je voulais vous dire, je voulais en profiter sur cette vidéo pour vous dire de pas trop vous prendre la tête en fait dans la vie, parce qu'on n'est vraiment rien du tout. Je me suis rendu compte que ça m'a mis un gros coup sur la tête, cette histoire. C'est vraiment incroyable. J'ai du mal à réaliser en fait. Et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est qu'on n'est vraiment rien sur cette terre. On n'est vraiment rien du tout. Et vous prenez pas la tête, quoi. Vous prenez pas la tête avec vos parents, avec vos frères et sœurs, pour des conneries, pour des broutilles, pour des histoires de pognon, pour des histoires de fierté. En fait, même si parfois vous avez raison, vous avez l'impression d'avoir raison, je vais vous donner un bon conseil. Profitez des gens qui vous entourent, des gens qui vous aiment et que vous aimez. Parce que regarde, quand le malheur il est là, après il y a tout le monde qui pleure. Tu vois ? Il reste quoi ? Il reste le matériel. Le matériel, tu l'emportes pas avec toi. Au final, l'amour charnel, le manque, ça c'est terrible. Ça c'est irremplaçable. Et il m'a toujours mené vers la sagesse. Perds pas ton temps. La vie elle est courte. Et quand il me disait ça, il ne mesurait pas ce qu'il disait. Il ne pensait pas partir aussi jeune, aussi vite. Il pensait avoir une petite retraite pépère.
rouler un petit peu, 10, 15 ans, voyager, et peut-être 75, 80, 85 ans, partir tranquillement. Mais quand vous perdez comme ça un parent, tu mesures en fait beaucoup de choses. Et tu comprends beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, moi je comprends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui me sont passées au-dessus là depuis ces derniers mois. C'est souvent pris la tête pour des conneries, on a fait du business ensemble, on ne s'est pas toujours entendu, il avait sa vision des choses, moi la mienne. Au final, on s'aimait comme deux frères. Au final, aujourd'hui, il me manque trop, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, je donnerais tout ce que je possède pour qu'il soit là. Pour vous donner une idée de l'importance de l'amour charnel, l'amour de la chair et du cœur. Réussir sa vie, c'est quoi? C'est avoir une belle voiture, une belle maison? C'est ce qu'on vous fait croire, ça. Mais réussir sa vie, c'est quoi? Réussir sa vie, c'est être heureux, avoir une femme qui t'aime, un enfant, des parents qui t'aiment, tes frères et sœurs auprès de toi, faire des petits repas entre familles. Les gens, ils partent comme ça, ils sont là aujourd'hui, demain, c'est fini. Toi, moi, on est tous concernés. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. S'il vous plaît, faites-moi plaisir. Mesurez la chance que vous avez aujourd'hui d'être en bonne santé et d'avoir vos proches autour de vous. Ciao les amis.